Voilà, salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour ce premier live chez Gaming Live. Voilà, merci à tous d'être venus. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être assez long. Normalement, c'est. Alors, normalement, vous devriez entendre la musique, j'espère. donc, on va être en live durant 4 heures. C'est assez énorme. Donc, normalement, ouais, vous devriez m'entendre, tout va bien, j'espère. Salut tout le monde. Donc pour ce premier live en fait, on va faire plusieurs choses. Déjà tout d'abord, je voulais commencer par la distribution d'un Pokémon qui est actuellement distribué, qui s'appelle Dracaufeu. Donc ça va être Dracaufeu. Ok, vous en... pas de musique. Très bien, c'est parce que j'ai dû me louper dans le truc. Je sais pourquoi. Bon, attendez, dommage parce que j'avais mis une bonne musique et tout pour commencer. attendez, je vous remets ça. Hop. Tac. Ça devrait être bon là, je pense. Dites-moi si vous l'entendez. Et puis on verra bien. Mais je suis pas stressé. Puis j'ai déjà fait plein de lives, je comprends pas. Donc voilà, il est 14h, on va être en live de 14h jusqu'à 19h, normalement, si tout va bien. Aujourd'hui, donc ça va être le premier live, donc on va un petit peu tester. La semaine prochaine, ça va commencer réellement, en fait, on va vraiment se mettre dans le bain la semaine prochaine, parce que il y aura un nouveau jeu qui sera prévu, donc certains l'ont vu dans la vidéo annonce. L'illustre de couette, ouais, c'est assez original. C'est pas moi qui ai trouvé l'idée, c'est Alex Corzoma, il me semble qu'il s'appelle sur Twitter. Et j'ai trouvé cette idée, j'ai fait allez pourquoi pas. Et puis après voilà, il y a plusieurs thèmes dedans, combat wifi, vous avez vu distribution tout à l'heure qui a complètement échoué, mais c'est pas grave. Alors on va mettre une musique. On va mettre la 21. Que le combat commence. Équipe Pokémon. Alors après c'est pas forcément super. Comment dire? Ok, il a que du violet. Ouais, ça doit être le méga. Punaise, il a l'autre là. Il a l'autre le... Comment il s'appelle? Ah mince! Ah je l'ai pas joué comme il faut lui. Bon tant pis, c'est ma faute. Alors attendez, je regarde un peu l'équipe. Ballon, mince, pardon. Ah oui, c'est risque Orval, j'ai oublié de le changer. Bon, tant pis, on va faire comme ça. On va essayer. Mais j'ai mis un objet qu'il fallait pas sur un Pokémon, donc ça va pas le faire, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, voilà, c'était donc Exagide, exact. Yes, c'est ma musique préférée. J'espère que c'est pas trop fort, hein, le son du jeu. Mais oui, Metal Chewbacca, salut! J'espère que tu vas bien. Ok, ça commence très mal. Ça commence très mal. Par contre, il est pas vraiment violet, lui, hein. Il est gris. Il est gris celui-là. Allez, vas-y, chasse. Chasse des shiny. Wow, on est 700! Génial! 700 tout pile. Bon, c'est le Y, non? J'ai pas vu sur l'écran, c'est. Ouais, c'est le Y. Ouais, ça va, il est violet en fait. J'ai rien dit. Il est plus ou moins violet. Sécheresse, ok. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Et je m'y attendais aussi. Et ça fait méga mal. Surtout que j'ai pas le bon objet. Waouh. Il a fait déflagration? Oui! Vas-y, défonce-le!
Défonce-le! Tue-le! Allez! Oh non! Oh non! Rate, rate, rate! Bon, tant pis. En fait, il est pas si rapide que ça. Dracofeu Y. Ouais, non, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Il fait assez mal. Mais normalement. Ok. Ouais, ok. Tan, 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 tan. Allez, Gengar! Je suis plus rapide que lui quand même, j'espère. Oh, il retire, mince. J'aurais pas dû faire ça. Boreas. Ok, ok. Ah, si, ben. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Il est pas normal. Boum. Ça fait des dégâts. Pas mal. Salut, Dunpire. Alors, est-ce qu'il est plus rapide que moi? Ce petit cochon. Je sais pas. Je sais pas du tout s'il est plus rapide que moi. Le problème, c'est que j'ai pas de Pokémon pour tenir sur le plan spécial. C'est un peu gênant, on va dire. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut me faire Hurricane. Bon, écoutez, je tente un truc, mais je pense pas que ça va être top. Ah, okay. Ah, mais d'accord, il attaque avant moi, ok. Oh, j'ai tenu. Ouais, j'ai tenu, mais bon. Oh, punaise, j'ai tenu, comment ça se fait? Pff, il est plus rapide que moi, ok, bon. C'est génial. Mon youtubeur Pokémon préféré? C'est Volt. Allez, casse-toi. Oh, 766 on est. Un truc de fou. Après ce combat, on fera la pause. Hein. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Mais pendant la pause, je referai un peu mon équipe, je changerai quelques petits trucs. Ah, il est deg. Ok, ça marche. Pourquoi j'ai amené lui en fait? Putain, je vais me faire défoncer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, il fait atterrissage. Zut. Oh, ah oui, coup critique, ok, j'allais dire. Je l'enlève énormément. Mais vraiment énormément. Alors attention, vous allez voir une technique de fou dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, dégage. Dégage. J'en veux plus de toi. Voilà, ça sert à rien de faire ça, ok? Ah là là, je m'y attendais, c'était évident, je m'y attendais. Alors Staros, qui est le plus rapide? Oh punaise, je sais pas. Ne jamais atterrir face au Scorbunny. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est plus rapide que moi? Dites-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce qu'il est plus rapide? Oh là là, s'il est plus rapide, je me fais défoncer. Là, t'es mal. Ébullition incoming. Ok, j'ai compris. Mais je sais qu'il va me faire ébullition, mais... Enfin, je sais. J'en sais rien si je sais, mais... Super beau, Staros plus rapide. Oui, il est plus rapide, ok. Bon, ben... Allez. Pareil, Staros, il est pas trop violé, mais bon, j'accepte. Non, je rigole. Bah, mais c'est bon. Juste après, est-ce qu'il est violé? Ouais, il est un peu violé. Ah oui, hydrocanon, même pas évolution. Ah oui.
Il est lunettes choix, c'est pas possible. Il est lunettes choix. Comment il peut être plus rapide? Et comment il peut être mettre KO Christophe Brie? Bon, ok, il est pas bon Christophe Brie, je sens une défense spéciale. Je sais. Je suis au courant. Ah, c'est ça. Écoutez, on va amener celui-là. Alors, je sais pas trop comment le jouer, je viens de... ouais, normalement, il est toujours à la Fnac et à Micromania. Alors... Oh, il retire. C'est ça qu'on voulait. Ténéfix. Ouais, non, il est pas méga, c'est bon. Il est pas méga. Yes! Ok, les gars. Notre plan a fonctionné. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer un petit peu comment ce Pokémon marche? Parce que j'ai vu que son talent, ça a amélioré les capacités pas très efficaces. Ça veut dire quoi? Si je fais une attaque qui est pas efficace sur lui, ça va être super efficace, c'est ça? Ou est-ce que je peux toucher un Pokémon qui ça affecte pas? Par exemple, faire psy sur insecte. Allez, Aeromite! C'est le meilleur, Aeromite! Je compte sur toi! Donc là, par exemple, si je fais une attaque pas efficace, ça devient stab x 1. Il est pas méga, mais déjà... Ok, coucou. Blablabla. Oui, coucou. Coucou tout le monde. est-ce qu'il y a un titre de la musique qu'on a mis au début du tout, début du live? Ça s'appelle The Fat Rat Unity. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent? Je sais pas trop ce talent. Double la puissance quand ce n'est pas très efficace. Bon, écoute, on va essayer ça, allez. Je sais pas si ça va le faire. Non, ça marche pas. La défense spéciale du Boris ennemi baisse. Vent violent. Oui! Oui! Mais ça a pas marché! Ça a pas doublé! Ça a pas fait ce que je voulais. Bon, allez, psycho! Allez, dégage! Non! Demi-tour, punaise. C'est pas bon ça, parce que je suis bizarrement sous ma couette. C'est cool! Bah, c'est ça, il faut me regarder sous la couette. Enfin, pas sous, mais regarder depuis. Depuis sous la couette. Exagide. Ouais, vous êtes sûr que ce truc améliore les capacités pas très efficaces? Ça marche parce que j'ai pas vraiment su, j'ai pas vraiment vu que ça marchait. Hein. Salut tout le monde, salut Amélie, salut la petite Angie. Que penses-tu de Scorvol sans soin poison? Bah il peut être pas mal aussi, il peut être pas mal, bah après il faut savoir bien le jouer. Vous voyez par exemple, là, si j'attaque, si je fais une attaque pas efficace... Non, j'ai pas le mauvais talent. Non, j'ai le bon, c'est écrit, l'anti-teinté. Si ça double même, si c'est écrit peu efficace. Bon, écoutez... C'est pas grave. Continue, je suis placé. C'est dommage parce que... Ouais, ça enlève vraiment des clics. Ok, il va m'attaquer. Et il va me buter. Voilà, il va me faire... ballon. Ah non, ballon. Bah non, c'est bon. Alors, ballon, je tiens. Oh, dur. Dur. Écoutez, je vais pas rendormir deux fois le Pokémon. S'il y a un Pokémon qui est endormi, je le fais pas, ça. Bon, de toute façon, j'ai perdu. Ouais, ombre portée, voilà. J'ai cru, mais non. Les fonds Pokémon sur tes vidéos. Ah, bah ça, c'est sur Sony Vegas. Hein. Je fais ça tranquillou. Ah, punaise. Ouais, mais genre, c'est cheaté cette attaque là. Ça me saoule. J'aurais pas dû faire ça. Bon, écoutez, je le provoque parce que au moins il me le refait plus. Voilà, des clics tactiques. Allez, vas-y, fais-moi balle ombre. Bon, je pense quand même le tenir quand même. Ça va faire mal, mais je pense le tenir. Okay. Donc là, par exemple, vous voyez,
Il peut pas me m'attaquer. Il peut pas. C'est impossible. Enfin, il peut pas... Si, il peut m'attaquer, mais il me fera rien, en fait. Bon, est-ce que je le mets KO? Non, mais ça, c'est à cause du bouclier royal, punaise. Il a quoi? Ah, vu une assurance. Oh, vu une assurance, j'avais oublié ça. Bon, ok, je suis KO. Bon, ok, bien joué, je pense que t'as gagné. Bon, moi, je découvrais à peine la team, mais bon. Voilà, c'était la première fois que je jouais avec ces Pokémon, je les ai eu hier. Et il y a un Pokémon que j'ai mis un objet sur un Pokémon qu'il fallait pas. Bref. Donc là, il va faire ombre portée. Bah écoutez, on va faire ça. Bon, il va quand même faire mal. Hein. Il fait quand même énormément mal. L'épisode 29 de Bloody Patinum. 29? Je l'ai pas sorti le 29? C'est le 30, non, que je dois sortir? Je sais pas, il va sortir dans la semaine. Boreas, bon là il va peut-être me défoncer. Mais c'est pas peut-être, c'est sûrement. Parce que j'aurais pas pu... Oh, demi-tour il fait, pourquoi? Pourquoi tu fais demi-tour? Pourquoi tu me défonces pas? Ça sert à quoi de perdre du temps? Moi bon, en tout cas j'ai aucune baisse de... Enfin, Nustuff il m'a envoyé un message, mais moi j'ai aucune baisse de... De trucs hein, sur le live. Hein. Je suis en source et j'ai vraiment aucun souci. Hein. Il a envoyé qui, Staros? Ok. Bon, de toute façon, j'ai perdu. Hein. Là, je suis KO. Et puis après aussi, avec Ectoplasma, c'est fini. Parce que l'autre, il était plus rapide que moi, le... Boreas. Mais lui, il était plus... Non, je suis plus rapide, ok. Bon, lui, il est KO, je pense. Quand même. Enfin, j'aurais pas non plus perdu de beaucoup... Wouah, 911, c'est un truc de fou. 911, oh là là, merci beaucoup. Je vous promets que la semaine prochaine, on va vraiment s'éclater. Je vous promets, je serai plus au top. Après, si vous voulez, je pourrais peut-être inviter des gens qui font déjà des... Allez, Ectoplasma! Attends, je regarde la nature de mon Ectoplasma. Il est quoi? Ah, mais non, on peut pas le voir, là, c'est vrai. Allez, dis-moi que t'es timide. Ah, il doit être mon choix. Allez, Ectoplasma! Oui! Elle était... Ah non, mais il a la ceinture force. Attendez, je... Non, même pas. Ok, bon, de toute façon, il sait qu'il a gagné parce que le Boreas... Ouais, Exagide est resté Uber. En fait, je crois qu'il est... Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est passé OU, mais sans bouclier royal. Ou sinon, c'est en suspect test. Je crois que c'est en suspect test. Voilà, mais de toute façon, Boreas, il est... Il est plus rapide que moi, donc tu as gagné. Et puis, de toute façon, je pense pas que tu... Tu résistes pas à mon attaque. Voilà, bon, c'est pas grave. Ouais, après, je pourrais peut-être faire des matchs contre... Bah ouais, pourquoi pas. Mais Chewbacca, hein, j'ai jamais joué contre lui. Bah, bien joué, Ryan. Bravo, bravo. Bien joué. Allez, donc enregistré, ben non, parce qu'il sera enregistré quand même sur la vidéo. Donc écoutez, on fait une courte pause. Restez là, toujours en suspect test, Exagite, pas autorisé en vue pour l'instant. Voilà. Bon là, c'était du mono aux couleurs, donc j'avais pas de restrictions. Tu feras mieux, mais c'est déjà très très bien. Merci, professeur Corzova. Ouais, voilà, là, il n'y est pas vraiment, c'était pas grave. S'il l'utilisait, il avait le droit d'utiliser bouclier royal, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire une courte pause. J'espère que la musique, ça va passer cette fois-ci. Et puis, bah, écoutez, on se dit à tout de suite. T'en as... Ils sont rouges, les Pokémon, là? Est-ce qu'ils sont rouges? Ils sont pas rouges. Bon, maintenant, j'y suis, je vais pas arrêter, mais... Franchement. C'est dommage, on perd du temps pour rien là. Bon allez go, j'en ai pris 5. C'est pas grave, c'est quand même un match. Oh la musique de Kyogre et Groudon. Elle est tellement géniale. Ta-da-da.
Donc il envoie Rotom Four. Donc Motisma Four. Donc il est de type feu électrique. En même temps, c'est un four électrique, donc bon, ça semble logique. Feu électrique. Bah écoutez, on va taper ça. Et qui c'est qui m'appelle là, sérieusement? Un dimanche, quoi. Moi, je suis plus rapide. Ouh. T'as peut-être pas dû les EV. Wow, presque 1000. Oh, presque 1000. Presque 1000 viewers. Shiny Galius. Ah ouais, excusez-moi, autant pour moi. Je les voyais pas shiny en fait. Je pensais qu'ils apparaissaient shiny sur le truc. Ok, excusez-moi. J'ai rien dit. Je m'excuse auprès de Shadwack. Je m'excuse auprès de toi. Je vais peut-être placer les pièges de rock. Ça serait pas si pas malin que ça. Mais c'est pas grave. Moi, je vais taper feu follet. Je divise par deux son attaque. Je vais peut-être faire séisme. Ok, c'est bon. Bon, je tiens pas. Vu les dégâts que j'ai pris, j'avais pas vu les dégâts que j'avais pris. Mais c'est pas grave. Oh si, je l'ai tenu. Yes. Je l'ai tenu. Alors. En fait, c'est plus une monotype feu que j'ai pris. C'est un peu ça que j'ai pris. Reviens, Mulder. Vous savez, c'est le Mulder que j'ai eu. Ça y est, on a dépassé les 1000. Impressionnant. Prends un drapeau à côté de la tête de Gaius. C'est pas un drapeau, hein. C'est un rideau. En fait, je suis dans une fenêtre. En fait, je sais pas. À la base, c'était un fond. Je suis dans une chambre. Et en gros, on me voit dans une fenêtre, vous voyez. Il y a la tringle et tout en haut. Et normalement, je voulais faire aussi que, genre, à la fin, je ferme le rideau. Et ça ferme la tête. Mais bon, j'ai fait autre chose, c'est pas grave. Écoutez, on va taper. De toute façon, je vois pas ce qu'il peut faire, donc il est brûlé, il est un peu... Il est... Voilà. Il fait pas très peur, quoi, on va dire. Oh. Alors, je pense pas qu'il ait fait les EV, parce que... Un Diablo est quand même bien défensif, hein, je pense. Enfin bon, j'en sais rien. Salut, Latilas 92. Sablero défense spéciale. Ah ouais. Peut-être. Léviator, ouais, ils sont vraiment tous rouges, punaise, je m'excuse vraiment. Alors, regardez ce qu'on va faire. Non, c'est un peu risqué ce que je veux faire. Ouais, non, ce que je voulais faire autre chose, mais c'était un peu risqué. Je voulais changer, mais le truc, c'est que s'il anticipe et il fait danse Draco, je l'ai dans l'os. Ok, fait crogivre. Bon, tant pis. J'aurais pu anticiper. J'avais une petite technique, mais bon. C'est pas très grave. Je t'en montrerai peut-être une prochaine fois. C'est la rougitude. Mais oui. C'est la rougitude. Alors, on va mettre... Qui est plus rapide? C'est parti. 24 Megadius, un nouveau Pokémon sera annoncé. Ah ouais? Peut-être. Allez, Victini. Charge foot. Je sais même pas si ça peut rater ce truc-là. Je pense que c'est des dégâts de recul. Mais je suis pas sûr. Je crois que oui. Non? Attendez. On va voir. Ah non. Pas de dégâts de recul, pas de perte de stats, rien. Mais elle est trop cheatée. À mon avis, il doit pas être à 100%. Le Minotaur du très très pauvre. Je suis d'accord. C'est en fait Sablero, je crois qu'il est en never used. Et c'est vrai que c'est peut-être c'est celui qui bah, il pose les pièges de rock tout ça. Bah, je vais juste vérifier charge foudre combien ça a de précision. Ah 85 mais ça a 130 de puissance. Truc de ouf. Bah écoutez ce qu'on va faire, ça va être simple. On va sacrifier Mulder, parce qu'il a bien joué, pour avoir un free switch. Ok, il fait bluff, nickel. Non, il met KO. J'essaierai aussi de régler l'écran la prochaine pause. Je sais même pas d'ailleurs quand est-ce que c'est la prochaine pause. Bon, c'est pas tout de suite, je pense.
Ok. Bon, normalement, Vitini n'est pas rouge, Gaius. Ah oui, il est orange. Je croyais qu'il était rouge. Excusez-moi. Ah bah regardez, même celui d'en face, il est pas tout à fait rouge, il est rose et marron. Enfin, c'est du rouge foncé. Ah, il avait le casque brut. C'est ressemblant, on va dire, c'est ressemblant. Ça passe, j'accepte. Et Komamura. Komamura. Ah, oh, il est beau avec ses points rouges et il a brise-moule, ok. Donc, il annule mon talent. Mais normalement, c'est bon, je pense. Je pense que c'est bon. Gaius daltonien. Mais non. Mais non, Shiny, il est comment hein? Voilà, c'est fini. Mais en fait, t'avais pas mal de Pokémon qui étaient... C'était des bons Pokémon, hein. Mais c'est vrai qu'ils étaient moins utilisés et moins, peut-être un peu moins puissants que ceux que j'ai. Plasmorph, c'est qui ça? Ah ouais, c'est lui. Voilà. Et le souci, c'est que peut-être que t'avais pas d'attaque prioritaire. De priorité. Et là par exemple bah avec un Victini, bon, vous l'avez peut-être deviné, il est mouchoir choix, donc il est plus rapide. Il est plus rapide. Enchaîné, il est rouge et blanc. Ah, ah ouais? Oui, sûrement. Oh, il a tenu quoi. Bon, je suis KO. Je pense. Non, peut-être pas en fait. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je sous-estime Victini? Pourquoi? Bon, bah bien joué Shadowk, je sais plus ton pseudo, en tout cas bien joué. Bien joué. Allez, attention, donc là on va se faire une monotype. Hop. C'est parti, donc non, oui. Donc c'était Shadowk, bien joué Shadowk. Ouais, parce qu'en fait hier j'étais en rade, j'avais pas de Pokémon... Vraiment super bon. Et donc... Et donc j'ai demandé... Quoi, Mélodelfe Coq? C'est carrément lui, Coq, c'est de la distribution. C'est carrément lui! C'est carrément lui, là! Coq, c'est de la distribution. Et alors, c'est pour ça, mais ça marche pas. En effet, le Mélodelfe Coq s'obtient normalement dans des conditions très particulières. Petit clin d'œil. Quoi, conditions plus particulières? Et alors, pourquoi ça marcherait pas? C'est quoi ce Beans? Grave, Coq, Mélodelfe Coq, mais rigolez pas, on me l'a échangé, ça marchait dans un combat. Mélodelfe Stoll, bon ok, ça va, ça marche. J'ai compris. Allez, ok, c'est parti. D'ailleurs, je suis avec qui, je m'en peux plus. Pourquoi, vous savez, le Coq Sizaoxy, tu aimes les crocs, monsieur? Sizaoxy, est-ce que tu aimes les crocs, monsieur? Et lui, serais-tu des mangas? Alors en fait, on dit lire des mangas ou regarder des animés. Ça fait longtemps, j'ai plus regardé d'animés. GTO, pour moi, GTO, Great Teacher Onizuka, pour moi, c'est une des meilleures, un des meilleurs mangas, un des meilleurs animés. C'est vraiment le truc que j'ai regardé, je sais pas combien de fois, peut-être 3 fois l'animé. Bon, il est pas très long, hein, 40 épisodes, je crois, 37. Ok, c'est parti. Oh, c'est la musique de... Des châtelaines. Attendez. Ouais, c'est la musique des châtelaines, ça. Ou d'un truc de combat. Non, d'un truc de combat. Bah oui, dans... Ok, c'est parti. Alice et Babat, Alicia, pardon. Et Babat veulent se battre. Ok les gars. J'ai une double faiblesse devant moi. Ouais, GTO. Franchement, GTO. Death Note aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que j'ai aussi beaucoup aimé? Détective Conan, que je regarde plus maintenant, mais je regardais. Pokémon un peu aussi. Allez, go pour protection. Je suis farceur, donc j'attaque en premier. Pour les attaques de statue. Il fait calcination, c'est quoi? Oh, t'as bien... Oh, plus tard. Ça enlève que ça. Calcination. Ah oui, d'accord, ok. Attendez, il y a marqué quoi? Béprine, j'ai pas vu. Attendez, je regarde le live. Il a été brûlé, c'est ça? La Béprine. Ah, calcination, ça brûle les baies. Ok. Attendez, si calcination, ça enlève que ça. Ah, si Zayox. Mais on est mal, là. On est fini. Tranchodon, voyons. Du x4.
Ouais, calcination brûle les B, ok, je ne savais pas du tout, j'ai tellement peu vu cette attaque. Piste au point, sur qui? Ok. Moi il m'attaque pas en fait, moi je suis... Non! Bon. Rate. Yes. Merci. Ok les gars, alors, bon, tu vas peut-être refaire ça. Est-ce que tu vas refaire séisme? Allez, tu sais quoi, je le souhaite que tu refasses séisme. Tranchodon. Ouais, non, mais après, voilà. Oh non, mais non, pourquoi t'as pas refait séisme? Oh, on a de la chance. Bon, les gars, on joue pas Giga Impact sur un Pokémon, ok? Ni Ultra Laser, il faut pas ça. Il faut pas. Qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai bien envie de tuer. Écoutez, on va faire ça. Parce que l'autre il s'est placé dans ce slam, il me fait un peu peur en fait. Piste au point normalement sur moi. Voilà. Mais j'ai pas méga évolué. Parce que je devenais de type fée. Alors bon, évidemment, Tranchodon il va peut-être prendre cher. Il est KO, je sais pas. J'ai pas vu. Non, il est pas KO, ok. Allez, attaque-moi ce Cisaiox là. Non, j'ai dit pas Giga Impact. C'est vrai qu'on l'a mis KO. Oh là 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 là. Pas Giga Impact. Il faut pas jouer ces attaques là. Je sais pas avec qui je joue, mais il faut pas. Enlève. Tranchodon, tu le mets quoi? Draco, queue. Colère si tu veux. Il peut apprendre sûrement une attaque genre aiguisage ou danse lame, danse draco, je sais pas. Mais lui, je sais pas, un truc un peu physique quoi. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire méga évoluer. Et on va faire ça les gars. On va faire ça les gars. Non, c'était pas une bonne idée en fait, méga évoluer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais qu'il allait faire Kuba en fait. Mais bon, quel intérêt de faire Kuba? Oh là là, on est mal, on est mal. Ouais, non, mais non, j'ai tellement mal joué. Pourquoi j'ai méga évolué? Bout de feu, sur qui? Sur lui, bon. Parce qu'il est KO, quoique peut-être qu'il résiste. Non. On sait jamais, hein. Ouais. Mais je suis quand même, on a quand même remarqué que j'étais plus rapide que l'autre là, comment il s'appelle, Scalproix, Gaillou Zelma. Oh s'il vous plaît, peu de respect pour ma personne. Et c'est parti, séisme des familles. Oh en plus il a mis Dracolos, nickel. Allez Dracolos, qu'est-ce que tu vas avoir comme attaque? Ne fais pas séisme, s'il te plaît, fais vitesse extrême sur Rotiflame si tu veux. Yes. Ça affecte pas Dracolos. Allez, normalement ils sont KO là, je pense. Non? Peut-être pas. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai quand même enlevé pas mal. Hein. Je suis fier de moi. Allez, Dracolos, je compte sur toi. Je compte sur 3. Je compte sur 3. Je compte sur 3. Oui! Point de feu, yes! Yes! Bien joué! Bien joué ça. C'est cool. Et Rotiflame, alors il fait quoi? Fracasse-tête. Oh, la tour était KO mon gars. Non, j'en sais rien en fait. Mais... Bon, écoutez. J'amène le petit dernier. Ah oui, non, mais il n'avait pas d'objet lui. Attendez, je regarde. Je crois que j'avais oublié de lui mettre un objet. Waouh, mon dieu. Si, je crois qu'il a un objet. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il a l'objet auquel je pense? Non, il n'a pas d'objet. Zut. Ah, dommage. Dommage. C'est qu'on va en fait un peu prendre cher. En fait, voilà, je dis ça, je dis rien. On va prendre cher. Donc tu fais bien point de feu sur ou séisme si tu l'as. Oh, c'est le méga. J'ai une question, c'est qui le plus beau entre Seoxy et Gallius? Répondez à cette question s'il vous plaît. Alors, et qui est le plus beau entre Gallius avec son bonnet et Seoxy avec ses lunettes? Voilà, telle est la question.
Yes, point de feu. Allez, bon, ça va pas lui enlever beaucoup, mais c'est déjà ça. Brûle, 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 brûle. Lame de roc. Oh, t'as beaucoup de chance, Dracolos. Je remarque que tu as quand même beaucoup de chance. Alors, est-ce que protection, c'est, ça y est encore ou pas? C'est la question. Je crois que oui. Mais ce qu'on va faire... On va faire ça. Comment tu fais pour avoir Diancie dans Pokémon X? J'avais fait une vidéo dans laquelle je récupérais le Pokémon. Point de feu. Allez, il faut le brûler là, les gars. Ah non, mais non, je suis bête, je l'ai paralysé. Ouais, c'était pas très malin ce que j'ai fait. Bon, il va peut-être pas rater tout le temps. Voilà. Et là, mon avis, c'est... Non, non, il le tient, il le tient, il le tient. Protection n'a plus d'effet. Ok. Protection. On prend trop cher. Fais-moi l'amour, Gaius. J'ai peur. Les modérateurs, faites quelque chose. Non, le roi Tiflamme, franchement, il a pas eu de chance, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il a pas eu de chance. Mais là, c'est bon. Là, il est KO normalement. Je dis même le coup critique. Ah non, même pas. Il devient gay juste pour Sisa. Pokémon n'est pas réaliste. Mais qui a dit que Pokémon était réaliste? Hein? Personne. Ok, alors combien il en reste? Ok, ils en restent 3. Il en reste 3 et nous aussi. Bon. Là, ce que je propose de faire. Est-ce que la magie, ça touche les deux? Eh hé, ça touche les deux. Bon, écoutez. Je sais que c'est pas super efficace, mais c'est pas grave. C'est la seule attaque que j'ai. Que j'aurais pu mettre tricherie à la place. C'est pas grave. C'est vrai que tricherie, c'est pas mal. Si tu utilises l'attaque de l'autre, ça aurait été plus malin. Dracon Météor. Sur Rotiflamme, nickel. Ok. Ok, protection. Ah bah attends. En double protection mur-lumière, c'est quand même assez utile. Non, je n'aime pas Minecraft. Bon, Galius, Azelma ou Lelei? Ah! Ah, c'est dur de choisir, là, vous me posez une colle. Azelma ou Lelei? Je sais pas. En fait, Lelei, je la connais pas tant que ça. Donc... Je peux pas dire. Moi, j'aime les deux. Hein. Je fais pas vraiment de... Bon, allez, go. J'ai pas vraiment de préférence. Lelei, Sisayoxi. Non, Sisayoxi, je crois que c'est Azelma. Oula, 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 oula. Il perd quelques PV, il a l'orbe vie. Pourquoi tu fais vol? Non. Ce n'est pas très efficace, mais ça enlève quand même pas mal, je trouve. Hein. Écoutez, au point où on en est, on va le cage éclairé. De toute façon, là, c'est fini. Hein. Normalement, c'est fini pour lui. Kelusfine dédicace à Maxi Gambas. Mon bro de ma prépa qui te kiffe. Ah ouais, Maxi Gambas. Salut, j'espère que tu vas bien. On s'était vu à la gare, c'était bien sympa en tout cas. Troussin est KO. Mince. Ouais, est-ce qu'il met KO? Je suis sûr que non. Ah si, c'est bon. Ok, bien joué. Mutafonio Princi. Oh les gars, les gars, les gars, les gars. J'aime pas choisir. Moi je préfère Azelma. C'est Clef qui du sel. Alors j'étais avec qui? J'ai pas vu. J'ai pas vu avec qui j'ai joué au final. Il lui se mettra vraiment en peignoir ou sans? Ah, avec le peignoir. Ah, je suis avec Florent 18. Ok, j'étais avec Florent 18. Bien joué à vous tous. On va faire une pause. On va faire une pause. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de pause. On se retrouve donc d'ici 3 petites minutes, c'est rapide. Ne bougez pas, ne bougez pas, et je vais vous mettre de la musique qui tue. Allez, attention, c'est parti. Bon les gars, vous avez accepté, maintenant c'est bien, maintenant il faut appuyer sur play. J'ai diminué la résolution, j'envoyais peut-être trop d'images par seconde, donc j'ai un peu diminué. Normalement, ouais, bon, zéro lag pour moi, nickel. Tu joues avec Clash of Clans? Non, je suis pas trop un joueur en fait de jeux vidéo en général. Donc tout ce qui est... Si je joue à des jeux sur mon téléphone... J'ai vu parce que j'avais vu des vidéos des gens qui faisaient « Ouais, what's on my phone? Qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone ?» C'est vrai que c'est intéressant. C'est ce type de vidéo-là, ça m'attire pas mal en ce moment. Je vois pas mal de trucs comme ça. Je trouve ça intéressant.
Bon, allez, s'il vous plaît. Evite Spectrolo. Ouais, pourquoi pas. Et moi, si je joue à des jeux, c'est plus des jeux de cartes, vous voyez. Ou des jeux un petit peu où on peut jouer à plusieurs. Ok, alors, on a une monotype. Psy à gauche, donc avec Bloc Bob. Tanguy, Vol. Et Alexandre, Spectro, qu'on retrouve un peu comme tout à l'heure. Donc, écoutez, on va amener lui. Hop, hop. Ok, c'est parti. Voilà, donc des jeux de cartes, genre le président, pour ceux qui connaissent, président Trou du cul, c'est le même nom du jeu. La belote, tout ça, j'y joue de temps en temps. Maintenant, c'est plus le président que je joue. Et puis, voilà. Oh, c'est en rythme. Donc ça, c'est Rayquaza. Non, Deoxys, pardon. J'ai tué Yu-Gi-Oh. Non, pas du tout, j'aime pas Yu-Gi-Oh. Vous pouvez arrêter de donner votre code ami, merci. Et les Zelda, je ne suis pas le plus grand, mais je conseille The Legend of Zelda. Oui. Ah, mon Marty qui se crie. Ah, c'est Wobbuffet. Wobbuffet femelle. Culbutoke femelle. Alors. Donc il a piège. Ah, demi-tour, ça marche. Mince. Oh, dur. C'est ça un Wobbuffet, ça fait... Non, il a pas EV, c'est pas possible. Blub. Blub, tu l'as pas EV. Comment tu peux prendre autant? Tu regardes Abromown. Roman. Non, je connais pas. Ouais, t'as vu Vandal, c'est hallucinant. Je reviens pas. Et lui, tu trouves tes petites images pour afficher Pokémon? Ouah, dur, hein, mais il a pris trop cher Wobbuffet. Il a changé avec qui? Putain, il faut pas que je le brûle. Oh, dur. Oh, pour Ricky, okay. Punaise. Normalement, ils jouent avec leur buff-flamme, donc... Tu m'énerves. Ça, ce n'est ni EV, ni IV. Ah ouais, bon, IV à la limite, bon. Tant pis, c'est comme ça, on l'a comme ça, si vous voulez. Bon, on peut quand même le faire avec les œufs. Sans faire bande de choix, peut faire beaucoup de dégâts. Oui, mais c'est un cul de but, ok. Attendez, je regarde. J'ai la petite application sur mon téléphone des Pokémon. Je suis désolé, Culbutoke est quand même assez défensif dans l'ensemble. Alors, c'est comme à la Kazam, on va se faire défoncer là. Alors, ça a combien? Ok. Pokémon. Ouais, là on est très mal parti. Wobbuffet. Il a. Ah non, il est nul en fait, en défense. Ah ouais. Il a 58. Oh, c'est pas terrible. En fait, il est pas terrible, c'est juste qu'il a beaucoup de PV. Il a 50% PV, mais bon. Il y a quelqu'un quoi? Garde magique, éclat magique. Oh, ce serait bien que tu le mettes KO. Oh non! Punaise. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin, Blizzard. Yes! Ah yes. Il va prendre cher, mais ça va, je pense qu'il peut le tenir quand même, Alakazam. Allez, pas gel, pas le gel, pas le gel, c'est bon, c'est bon. Culbutoke, en fait, il a juste masse de PV. Ouais, c'est vrai, en effet. Allez, Telluriforce, combien ça enlève, ça? Pas mal. C'est pas mal. Écoutez, je sais pas ce qu'il va faire, Medusa. Medusa, par contre, lui, il a l'air de bien jouer. J'ai l'impression, il a quand même bien anticipé au début. Enfin, anticipé. Je sais pas s'il a vraiment anticipé quelque chose, mais. Qu'est-ce qu'il fait là, Kazan? Vous avez vu ce qu'il a fait? Oh non. C'est pas grave, moi, enfin, honnêtement, si les gens. Je leur ai dit d'arrêter le. Les codes amis, mais. Oh yes, oui! Bien joué, la Kazan, bien joué. Pikami ou Mizurashi? Oh là 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 là! Mais moi, j'aime les deux! Non. Ok. Bon, normalement, son truc, il meurt. Là. Son bombardique. Ah, il a Grelocoque, c'est ça? Ok. Allez, Telluriforce et bye-bye. En fait, je suis le seul, personne ne veut m'attaquer. Vous inquiétez pas, je reste ami avec vous, hein, si vous me touchez, y a pas de soucis. Bienvenue, tu peux accepter ma demande d'ami, mon nom, c'est Yacine. Salut Yacine. Coucou Yacine. Mizurashi? Mizurashi. Non, Pikami.
Ok, Birdmaster. Printy m'a répondu. Non, il m'a pas répondu. Je pense qu'il est occupé. Je pense qu'il fait. Arrêtez, il sait pas choisir. Finir polygame. Alors. Est-ce qu'il a lévitation, le spiritombe? Non, il a pression, j'ai pas vu. Pression de spiritombe, ok, c'est bon. Je l'ai vu sur le truc. Birdmaster. En fait, Birdmaster, il va quand même faire mal. Les deux vont faire mal, en fait. La roue carnagite réagit, très bien. Ça, c'était prévisible. Vent violent, c'est aussi prévisible. Il a un talent qui s'appelle Annulgard, qui fait que tout le monde a 100% en fait sur le terrain de chance, de précision. Toutes les attaques sont à 100%. Donc c'est pas plus mal, c'est que moi... Non, c'est moi qui fais toxique en fait. T'as pas compris l'histoire, Spiritomb. Tu refais pas ce que je fais, ok? Donc voilà, personne peut rater ses attaques tant que le talent Annulgard est sur le terrain. Ok, bon, moi pour l'instant j'ai pas perdu de Pokémon et j'ai perdu quelques PV. Donc là, à mon avis, le roux carnage il va commencer à me. Ah, mais je suis tout seul! Ah, mais je suis tout seul! Oh non! Oh, ça me fait penser à Bloody Platinum quand je me retrouve à 1 contre 2. Oh, c'est horrible. Oh, quelle horreur. Bon, c'est qui la plus grande menace? C'est Birdmaster, on est d'accord. C'est lui que j'aurais dû empoisonner. Bon, tant pis. Surtout qu'il doit avoir atterrissage à tous les coups. A tous les coups, il a atterrissage. Oh, il retire. Oh, c'est cool, ça. Ténéfix. Vent violent. Ça va faire mal, mais ça va, je pense. Ouais, non. Ah ouais, non, c'est vrai que ça rend confus, j'avais oublié ça. Ça peut rendre confus. Yes. Allez, bon, la brûlure, bon, ça serait bien, mais... Allez. Bon, après, il y en a un farceur en face là, un petit farceur Ténéfix, à moins qu'il méga évolue. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, de toute façon, je suis KO puisque j'attaque après Birdmaster. Voilà, c'est fait. Attendez. Non, de toute façon, il va me faire un truc farceur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Son farceur, je sais pas ce qu'il veut faire, je suis déjà empoisonné. On avait peut-être attaqué, tricherie. Mais les gars, ne demandez pas de choisir entre des gens, c'est. Ça se fait pas. C'est comme si on vous dit papa ou maman. Choisis qui? Pas de préférence, hein. On aime les deux, voilà, c'est pareil. Putain, méga Ténéfix, quoi. Tu croyais que j'allais faire toxique, hein, pour que tu me le renvoies? Eh ben non, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je serais mort avant. Ah, il me fait bluff, ok. Ça va, ils ont une bonne team en face. Hein. Demi-tour, attendez. Oh! Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est là qu'il m'amène un Pokémon. Non! Comment tu peux... Ah bah oui, c'est vrai, il y a bluff. Punaise, j'ai oublié, excusez-moi. Genre, ils ont su. Il y en a un qui a fait bluff. Oh non, j'avais oublié ce bluff, punaise. On n'ajoute plus les codes amis pour l'instant. Ouais, Nutstaff, il arrive à partir de 19h. Hein. Ah, passe. Aïe, aïe, aïe. On va prendre beaucoup de dégâts de recul, là. Ok, je suis KO, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. On s'y fait, hein. Ténéfix, on utilise Ombre Nocturne. Ombre Nocturne, c'était, il me semble, Ténèbres, l'attaque Ténèbres. Ok, on va amener Snipe. Sniper. Merci Volt d'ailleurs pour l'envoi du Pokémon. Alors. Alors, attends, il avait qui aussi l'autre? Ok, très bien, très bien, très bien. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, Tortank. S'il te plaît. Défonce-les. Ok, je sais que t'es pas très rapide, je sais. Mais je crois en toi. Tu peux résister à des attaques là. Rapace. Allez, tu peux résister. S'il te plaît, il est peut-être bande au choix. Vu qu'il a fait que des rapaces, il est bande au choix. Non, coup critique.
Il est sûrement bon de choix, mais je pense que je devais le tenir quand même. Putain, il a fait pour Ricky. Je le tenais. J'attaquais avant lui, je le mettais KO, son vampire, avec laser glace. Il n'existait plus. Mais là, maintenant... Bon, normalement... Après, je vais te dire... Là, il est bloqué sur Rapace, il va continuer, je pense. Parce que même si le poison est super efficace contre le fée, je vois pas pourquoi... Bref, je sais pas. Faites ce que vous voulez, ne regardez pas le live, ne regardez pas ce que je fais. Enfin, je parle pour ceux qui jouent contre moi. De toute façon, là, il me reste plus qu'un Pokémon, c'est perdu. Dommage, franchement, avec Tortank, sans le coup critique, je pense que je le tenais. Sois-tu mauvais perdant, Galius? Je suis pas mauvais perdant. Enfin, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Mais j'essaye quand même de rester neutre, vous voyez. J'essaye de rester neutre, mais c'est pas facile parce que je sais que voilà, personne aime perdre, mais c'est vrai que moi, je suis. Punaise, il fait tellement mal. Sans critique, il fait tellement mal. Ouais, défonce-le. Mais voilà, c'est fini. Bye bye, Azumarill. Non, j'ai encore une botte secrète, mais. Ah, attendez, j'ai peut-être une. Ah non, il y a Spiritomb. Oh, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié qu'il en restait plus que... Ah ouais, mais non, franchement, je vous le dis. Il m'a amené deux Pokémon à juste faiblesse Caligari. Peut-être que s'il restait que Vampire et Roucarnage, peut-être que j'aurais gagné, attendez. Hé hey, j'enlève pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il fait comme attaque? Psycho. Ah, dommage. Est-ce que je le tiens? Est-ce que je le tiens? Oui, je le tiens. Je le tiens, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas tuer plein de Pokémon. Dommage, hein, franchement dommage. Vraiment dommage. Bah mais bon, là Birdmaster, je pouvais vraiment rien faire. Dommage, c'est comme ça. J'aurais bien tenu si mon camarade, le gars qui joue avec moi et avait eu des Pokémon un peu plus entraînés, bah on aurait gagné. Je pense qu'on aurait pu. Peut-être pas gagner, mais je pense qu'on aurait pu. Bon, bien joué en tout cas à vous. Pourquoi c'est devenu rouge là? Publicité. Faudra qu'on m'explique des choses, hein. Le truc, le bouton est devenu rouge. Ok, c'est pas grave. Bonne chance, Galius, merci. Je m'amuse des châtelaines. Okay. Y a des gens qui grattent de la pub. Ah ouais? Serait-il possible de faire une pub? Non, pas de pub, s'il vous plaît. C'est dommage parce que vous risquez d'être banni. Moi, je bannis pas, mais il y a des modérateurs des fois qui passent et qui peuvent bannir, donc c'est dommage. Donc voilà. Tu vas faire des matchs Pokémon Showdown Anything Goes. Donc c'est un truc où il n'y a pas de limite en fait. Tous les Pokémon sont autorisés. Je pense pas. Je pense pas faire du Showdown en fait. On se risque sur cartouche. En plus, esthétiquement, je veux dire, les cartouches c'est beaucoup beaucoup plus joli quoi. Ah, ouais, ouais, c'est sûr. Y en oui, qui... Macconi 896, tu pourras jouer avec moi. Bon allez les gars là. Y en a un qui bug. Je sens le bug venir là. Oui, une erreur est survenue, fin de la rencontre. Non. Je le sens arriver. C'est trop mais long. Non, mais je sais pas, y en a des fois c'est. Tu mettre du temps pour appuyer, genre le bras il veut pas, tu sais. Ah, allez. Non, ne fais pas ça. Si fais ça. Genre, ils se contredisent. Ah voilà. Ils se contredisent leur tête et. Ok. Parce que là, il faut même pas choisir l'équipe, tu vois. Il faut juste appuyer sur OK. Ouais. Alors, écoute, on va faire ça. Moi, j'ai une petite technique de malade. Oh là 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 là, le type plante. Mais Galius, t'as un Pokémon ban en fait, mais c'est pas grave. Ouais, mais il a pas l'attaque. Enfin, j'ai pas mis l'attaque qui a fait qu'il était ban. Donc, le talent, tu veux dire Non, 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 pas le talent. Une attaque qu'il avait. Enfin, c'était pas vraiment une attaque, mais. En gros, dès qu'il pouvait apprendre des tricanons dans Rosa. Bah, il a été banni. Mais tu parles de qui? De... Bah, de... Greninja. Oui, mais c'est son talent, surtout Protéin, qui le rend... Ouais, mais au final... Non, mais ça va, au final, il était pas non plus... Les stratèges, ils vont gueuler, là, tu vois. Mais non, mais de toute façon, j'ai dit, vous pouvez... Tout à l'heure, on a eu un Exagite, par exemple. Ah, bah oui, bah... Avec bouclier bon. Royal, donc j'ai dit... Ah, bah grave. Oui, oui. Ah, c'était autorisé, oui. Non, mais t'inquiète pas, franchement, enfin... Non, mais de toute façon, bon...
Protéin, ouais. C'était pas non plus le truc de c'est fou. Pas un poké comme ça qui va faire la différence, de toute façon, vu ce qu'il y a non, contre non, en non. face, je veux dire... Ouais. Désolé, je peux rajouter tout le monde, hein. Greninja, des tricanons, my god. Ouais, ouais, il peut la... Shiny, ok. Ok, donc on a une type acier, j'ai oublié de préciser. Type acier à droite et type plante à gauche et type électrique à mes côtés. Oh, ouais, il est shiny, je l'ai eu shiny par hasard. En gros, je le faisais stratégique. Mm-hmm. Et l'œuf, il est sorti shiny et stratégique. J'ai vu, ok. Non, si. Oh, putain. C'était l'année dernière. Faut le faire, ça, quand même. Ouais, mais en sépia-top, il était tout mignon et j'aurais peut-être dû le garder pour Little Cup. Mais bon, c'est pas grave. Et oui, je pourrais faire un... Je sais pas, je vais... Alors... Donc en face, on a Farfaduvé. Galeking. Le fameux Galeking. À mon avis, il est méga, déjà, je pense. De fortes chances. Et De toute façon, on a des Pokémon qui sont pas tous... Ah, le mien, il est never used. Hein. Le Holy. Le mien aussi. Le tien aussi, never used. Et les câbles, il est pas OU. Hein. Mm. Non, et oui, il doit être RU, je pense. Après, je sais pas de quel tiers il est, mais... Tu j'hésite. Là, tu comptes faire quoi exactement? Je sais pas, je dis pas. Non, moi j'attaque Farfaduvé, voilà. Mais bon. Farfaduvé. Ouais. Mais je sais que Ouais. Ouais. D'accord. Mais fais gaffe parce qu'il peut faire un 6, mais. T'inquiète, je pense. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai réfléchi à un truc, ça devrait. Mais si, mais t'es mal, hein. T'es KO, je pense. Ouais. Parce que Farfaduvé va résister, mais. Tu l'évites, toi, non? L'évite non, pas, c'est Piata. Je l'évite pas. Genre Passe. Énorme. Ah, mais non. Non, mais regarde. Elle est capable de lunettes de choix. Et moi, regarde ce que je fais. Ah non, t'as attaqué avant moi. C'est attends. Moi, ouais. Mais attends, il a fait passe-passe avec moi. Mais moi aussi, je fais passe-passe. Oh, mais non, mais... Donc maintenant, il est mouchoir choix. Le farfavu du V. Mais le truc, c'est qu'il peut repasser encore avec passe-passe. T'as fait quoi comme attaque, j'ai pas vu? J'ai fait coucroix. Coucroix, ouais. C'est lui enlevé, ouais. Pas terrible. Ouais, non. Mega Galeking. Attends, il est ok. Mega Galeking, on le passe pas. T'as quelque chose contre Galeking, toi? Ouais, j'ai quelque chose. Tu peux m'inscrire bien, c'est point feu ou point glace sur le Farfaduvé, ce serait cool. Ouais, c'est. Ah, mais attends, les lunettes chaudes. Ah putain, mais les lunettes chaudes. Ouais, hein. T'es bloqué sur une attaque, c'est vrai. J'avais oublié. Bon, bah, j'ai double passe-passe. Oh là là. J'ai envie de. Non, je perdrai un tour. Ouais, tu sais quoi, vas-y, je vais refaire pareil. Vas-y. Alors, fais pareil parce que sinon. Ok, fais toxi sur moi, je pense. Ah non, sur moi. Ok. Allez! Vas-y! Allez! Ouais, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave! Ah non, mais il est juste acier, c'est vrai, il a perdu son type roche. Ah bon? Eh oui, il est juste acier en. Allez, mets le KO. Yes! Bien joué, New Quincy! Bien joué! Allez, aide-en au moins. Voilà, poids. Donc là, lui, il est les mouchoirs choix. Donc il est bloqué. Il est bloqué, il fallait donc pas il faire. Va faire... Ah, ça voilà. Va. Donc ça. En fait, il va faire que des toxiques. Ça t'apprendra à faire des passe-passe. Le truc que toi, tu joues physique en fait, c'est ça? Et les câbles. Oui, ouais. Physique, et ouais. Oui. Et les câbles. Ouais. Et physique, ouais. Là, j'ai bien envie de. Bon, il a quand même. En fait. Tu as récupéré quoi comme objet? Attends. Les restes? Non. J'ai pas fait attention à ça. J'ai pas fait attention à ce que tu as récupéré. Attends, là j'hésite parce que. Attends. Mais non, j'ai. Attends, what attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Rexilius. J'ai regardé quelque chose sur lui. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pas grave. Rexilius, c'est Dragon Roche. Dragon Roche. T'es sûr c'est pas Dragon Sol? Non, je suis sûr, pas Dragon Roche. Sûr et certain. Oh, je suis dégueu. L'objet que j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Il y en a qui ont compris ce qui s'est passé avec le passe-face. En gros, Farfaduvé, il a fait passe-face. Donc il t'a échangé. Il t'a mis les lunettes choix. Et lui, il a récupéré un objet que t'avais toi. Je sais pas ce que t'avais comme objet. Mouchoir choix. Ah, t'avais le mouchoir choix? Oui. Ouais, ah, donc j'ai récupéré ton mouchoir choix. Ah, mais t'as mon mouchoir choix. Bah, t'es méga rapide. T'es plus bon, rapide, critique toi. Ou pas, je pense pas que ce soit décisif. Je pense que je vais mettre un KO. Je suis pas sûr, mais je pense. Putain, mais tu lui as mis un mandal. Bah, regarde, j'ai contradiction là. Je sais plus comment appeler ça. Genre. Ah, par contre, ah oui, t'as l'attaqué. Ah, bah ouais, forcément. Ouais. Mais parce là, que j'ai l'attaqué. Ouais, je suis bloqué en fait. J'ai pas envie de switcher parce que. Si, je pense que c'est vrai. Parce que le poison, il va avoir raison de toi là. Et moi aussi d'ailleurs. Bon, ouais, il y a un moment où faut arrêter les bêtises. Et les câbles, reviens à la maison. Ouais. Il y a un moment où. De toute façon, il fait que des toxiques. Donc là, en fait, soit il change.
Soit il... Mon dieu, Terra Shining, putain, oh, j'ai jamais... Moi non plus. Violet comme ça, c'est assez... original. Ouais. Du coup, c'est Ptera. Est-ce que t'as quelque chose contre Ptera, toi? Il est très rapide, Ptera. Il va faire... Écoute, moi, je vais... En fait, je vais continuer parce que... Parce que j'ai pas envie de prendre un toxique, en fait. Ok, il retire. Oh non! Ben non, faut pas. Ah, c'est tant mieux. Ah, j'ai changé aussi? Ah, quoique... J'espère que t'as changé. Quoique le type, ça, du coup, ça reste le même. Enfin, le même en partie. Le type... Ah mais oui, non mais oui, c'est monotype, je suis idiot, putain, c'est normal. Ouais, lui, mais d'ailleurs, ça, attends, il est ah, oui, plante, le type plante, ok. Ouais, c'est pour ça. La première fois... Le sweeper. Attends, mais Galus, t'étais plus rapide que le Ptera, là. Mais j'ai mouchoir choix. Grâce à mon mouchoir choix, et t'as dépassé Ptera grâce à ça. Ouais. C'est grâce au mouchoir choix. Et en plus, je suis bloqué, mais sur surpuissance, et donc ça booste mon attaque et ma défense, en fait. Donc à chaque fois que je tape, je tape encore plus fort. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Je pense que je peux encore tenir un tour. Après, le poison aura raison de moi. Et puis, ah, le poison, ouais. Les attaques me feront. Ah, ça, c'est le. Ouais. Le... Surtout qu'il ouais. Il est pas bon. Hein. C'est Pietros, c'est vraiment un Pokémon pas terrible. Il a des stats vraiment moyennes, on va dire. Et voilà. Et en fait, c'était justement le set d'Azelma. Elle avait fait cette vidéo au tout début de XY. Oh purée, fallait pas sortir ça ici. C'est pas grave, j'assume. Non, mais elle avait présenté ça. Et puis, c'était le nouveau Pokémon, tu vois. Et puis, j'avais testé. Et non, mais en tout cas, il est très bon là. Ouais. Ah, mais il a plus de Pokémon. Ah mince, il faut attaquer. Excuse-moi. Ah, t'as pas attaqué? Mais non, je croyais qu'il allait amener l'autre. Ah. Ah, mais il y en a plus. Ah, oui, non, mais le mince, type. Mince, mais là. Punaise, je me suis. Oh, il a retiré. Mais, de toute façon, il va ramener un plante. Mais non, mais il est bête. Pourquoi il a pas laissé? Ah, mais il a un plante bien. Il a pas un plante nul pour le feu. Tu vois, et. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis bloqué sur son puissance. Oui. Ah, mais ouais, mais oui. Ouais. Mais de toute façon, bah non, il est bête, il aurait dû le laisser parce que là je vais le buter. Ouais, mais non, pas vraiment parce que mon Elexprint il va faire surchauffe. Et du coup, surchauffe il est un petit peu immunisé grâce à son type ouais, Rust. Tu le mets. Alors que Banchitrou il aurait pris cher, le type Spectre ça l'aide en rien quoi. Ouais, c'est vrai, mais t'inquiète pas, là on va le finir. Allez, avec surpuissance, alors que moi j'aurais pas touché. Ouais, peut-être que tu l'aurais mis. Mais voilà, tu fais mon travail. En fait, tu joues tout seul là. T'as pas besoin de moi. Ah là là. Galius contre les deux. Ah, le poison. Oh, non. Tu tiens. Encore. Mais bon, là, il amène Banchitrouille, je peux rien faire. Bah, Banchitrouille, moi, tu vois, je vais. Bon, mon surchauffe, le problème, c'est qu'il est amoindri à cause de la baisse d'attaque spé. Mais bon, ça peut toujours faire ses petits dégâts. Donc... Après, il me restait des câbles derrière, de toute façon. Et l'autre aussi, Magnézone. De toute façon, on a ce qu'il faut, je pense. Ouais. Non, t'inquiète, là, il en reste plus que deux. Bon, je le retire. Ouais. Parce que vu qu'il est mouchoir choix, il sera plus rapide. Bon, après, il peut faire ombre portée, mais je pense au farfa du V. Là, à mon avis, il va prendre moitié de sa... 50%, il est bon en plus. Défense, il est bon. Défense spéciale, peut-être un peu moins. Ouais, c'est ouais, ça, 50 à peu près. T'as pas changé clair? Si, tu dois l'avoir. J'ai abri, tonnerre, et c'est quoi l'autre? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Vu une assurance. Il a pas de PC, mais... Attends, il vient d'augmenter son attaque et son attaque spéciale, là. Oui, mais bon... Ouais, mais d'accord, mais bon, on va l'attaquer entre temps, tu vois, du coup. J'ai cage éclair. Ah ouais, cage éclair. Ah, ok. Ah, dommage, Volt Switch, ouais, c'est pas mal. Au pire, un petit cage éclair comme ça. Ouais, tu peux. Parce que tu vas voir ce que je vais faire sur Banchitrouille. Counter Team, tu vois. Aïe. Tu vas voir. Allez, okay, un petit cage éclair comme ça. Comme ça, il aura la poisse, soit paralysé. Voilà. Et là, regarde ce que je fais. Hein. 30%, il me semble. Là. Petit provoque. Donc, comment s'il veut placer ses vampigraines, ses bêtises comme ça, il peut pas. Ça, c'est bien joué, ça. Ah non, Exploforce. Oh purée, il t'aurait démonté, là. Ouais, mais je pense pas que j'aurais été KO. C'est pas stabé, c'est pas... Là, j'hésite, en fait, entre... Bon, on va faire ça, de toute façon. Dans tous les cas, il faut attaquer, donc... Ouais, bah écoute, vas-y, attaque. Moi, je vais... J'ai pas envie de faire l'autre attaque. J'ai envie de faire ça. Mais là, limite, je pourrais... Là, tu pourrais changer et... Si je switch, ouais. mon attaque... Ouais, ouais, ça revient, ouais. Ça revient, ok. Là, j'enlève strictement rien du tout, en fait. Mais bon, je sais que t'es là pour... Putain. Ouais, c'est pas efficace. Ouais, forcément, on attaque seul, ouais. Il est paralysé. Ok. Il est paralysé, ok. On va faire ça. Je voulais pas le faire, mais bon, je vais le faire maintenant. Allez, les câbles. C'est pas fort. C'est quoi ce Banchitrouille bizarre? J'avoue.
C'est forcément les restes comme objet. Pourquoi il avait mis quoi? Oui, vu une assurance, c'est vrai. Et en fait, il le joue vraiment offensif. Ouais. Oh, mais ouais, là, tu penses qu'il est KO. Ah, Dracométéor, tu l'exploses. T'as. Non, mais là, c'est. Ouais. Oui. Ciao. Merci d'être passé, Ben Citrouille. A plus. Ah, oui, qu'est-ce que Brut aussi, on le voit, c'est vrai. Qu'est-ce que Brut reste? T'es avec qui, Galius? Il est avec une personne très étrange. Qui parle. Qui parle. Même. Qui est doté de la parole. Donc, le retour. On va les péter 6-0 en fait. C'est vrai, on n'a pas perdu un Pokémon? Non. Ah non. Ah non, j'avais pas vu. On va les péter 6-0. Là, je pense qu'ils résistent pas à mon. J'ai fait point. Ah, punaise, bien oh, joué. Non. Ah, bien joué, non, sur moi. Mais bien ouais, joué. Ouais, mais parce... oui, mais on perd un. Oh non, je voulais qu'on gagne 6-0. En plus, un coup critique, bah voilà. Non, mais j'avais oublié, les mouchoirs choix. Les lunettes choix. Non, il allez, est. Les câbles. Ah ouais, bien joué, bien joué. Il est quoi déjà? Non, il a les. Le farfadet. Il a le mouchoir choix. Il a le mouchoir choix aussi, comme moi. Parce que c'est voilà, le mien qu'il a récupéré. Sur histoire de foot, tu sais. Oh là là. Donc là, il fait pouvoir lunaire par contre. Bon, de toute façon, tu vas le défoncer, mais. Le truc casse-tête dès le début du match, c'est pouvoir lunette. Mouchoir choix inversé, passe-passe, on comprend bien pouvoir lunette. Ouais, bah ouais. C'est ça. Allez, un petit point glace. Avant. Je pense que c'est moi quand même. Faudra du je pense. Ah non, c'est lui. Mince. Bon, il va me défoncer moi. Il a... What the fuck, c'est Ben Citrouille. Ouais, mais. Putain, on pensait gagner 6-0, mais finalement, non, 4-0. Bon. Alors, bah, moi, sur le Hey Dragon, je pouvais rien faire parce que j'étais type dragon et type fée. Mais bon, heureusement qu'il y a les pouvoirs lunaires. Heureusement. Bon, bah, tant mieux en même temps, on va pas jouer que les attaques. Pouvoir lunaire. Mais fit ton CA, il est sur mon layout, ce patate. Il est, ouais, juste en bas, là. 4-0, bim, 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 bim. NP, nouvel objet, pouvoir lunette. Ouais, c'est un objet... Ah là là. Assez nouveau. Assez nouveau. Ok, bien joué. Bien joué. Et du coup, il fait quoi, là, monsieur... comment il s'appelle? Cisa. Ouais. Mais je sais pas. Il s'est endormi. Il s'est endormi.